tibétain. Et n'oublie pas celui-là. Oui. N'oublie pas. Bonjour. Et bonjour. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, c'est magique. C'est magique. Bah oui, c'est la magie. Bah ouais. Ça va, il est vivant. Vous êtes vivant. En fait, c'est un massage. Je ne sais pas si on peut dire massage, mais c'est comme un bain sonore. Oui. Donc, c'est des bols chantants tibétains. Chantants. Ouais, ils chantent parce que bah il y a une super vibration. Et puis donc je les forme à cette technique. Et on pose les bols donc sur différentes parties du corps, mm-hmm. et on les fait vibrer. Donc ça va agir sur les liquides du corps, sur toutes nos cellules, les OOS, et puis les liquides, et puis plein d'autres vertus. C'est un bien-être total, on est en extase. Il y a plein d'autres petits outils, parce que c'est aussi l'ambiance sonore, donc ça peut être aussi des petites cloches tibétaines. L'ambiance. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est de plonger la personne dans un bain sonore, c'est ça qu'on dit bain. Et c'est vraiment, j'ose dire le mot, quand même thérapeutique. C'est thérapeutique, ouais. Ouais. Il se passe vraiment quelque chose dans le corps. Vraiment, moi j'ai, alors pour le sommeil, le burn-out, le stress. Mm-hmm. Donc c'est le quand même stress. Parfait d'actualité. Le fameux stress des Parisiens, ouais, des citadins. Ouais, ouais. Oui. Et puis c'est un retour à soi, quoi. C'est une manière de se dire, ok, je fais un temps de pause, je reviens à moi, et c'est, y a des gens qui n'arrivent pas trop à méditer, par exemple. Mm. Mais là, avec le son, ils se sentent moins seuls, moins dans le noir. Il y a un côté plus cocooning. Et on se laisse plus facilement aller. Complètement. Voilà. Donc, comment vous êtes arrivé au métier du bien-être, vous? Depuis très longtemps, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose, une énergie, une aura qui se dégage et qui fait que. Vraiment, je savais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Justement, ouais. Vous avez dit au vent, vous prenez un peu pour des gourous, tout ça. Ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué de se repérer quand même dans la médecine, c'est dans toutes vrai. Ces médecines douces, il y en a les pas. Médecines du bien-être. On ne sait pas vraiment en tant que client où aller. Moi, je pense qu'il faut s'écouter dans son intuition. Et donc, lui, par exemple, Samuel, va essayer de pratiquer ça à l'hôpital Beaujon. Donc voilà, et c'est hyper avec attendu. Hein, c'est hyper attendu. Travail, en fait. Voilà. Donc, pour les gens qui travaillent à l'hôpital. Non, c'est pour le personnel de l'hôpital. Pour le personnel de l'hôpital, ouais. C'est ça. Vous c'est avez... la qualité de vie au travail qui. D'accord. Donc je suis en séance de relaxation et je voulais m'étendre un peu plus pour avoir plus d'outils en main et c'est pour ça que j'ai fait cette formation. Est-ce que je peux essayer de... Juste essayer oui, de, mais oui. de... Ça va aller, monsieur? Vous me faites confiance? T'es vraiment super cobaye. Allez, on Qu'est-ce que je suis désolé. On y va. 5 minutes de votre temps. Alors, on essaye avec d'abord cette mayoche. Cette mayoche. Qu'est-ce on que frappe c'est un bol et celui-là. Mais on le frappe doucement. Alors, ouais, attention au visage. Hein. Ouais. Et celui-ci, qui est plus puissant. Voilà. Eh mais bravo hein. Merci à vous. Non, merci, on sent c'était... quand même hein, la vibration hein. Ouais. C'est puissant hein. Yeah. Bon. Moi je pense que ça suffit maintenant pour vous monsieur. Là, ça vous donne envie d'essayer? Oui, j'ai envie de voir. Ah bah voilà. Tu vois. Je peux perturber le corps jusqu'au bout et allez ouais. Et faire le on lui laisse quoi 5 minutes ou pas? Allez. Allez. Sur le dos bien installé. Ça va? Ça va tout bien. Vous pouvez laisser la main le long de votre corps et on met celui-ci ici. Mmh. Bon, je vous mets pas sur le tissu, sur les yeux, ça va, hein? Non, je peux voir ça. Moi, je continue, hein? Oui, vous continuez. Ah oui, hein? Moi, j'ai l'impression que ça... Je peux faire ça en travaillant, parce que... C'est vrai? Oui, vous allez voir, on va travailler, là. On va dire au revoir aux téléspectateurs, parce que c'est la fin de l'émission. On va les inviter à voir ou revoir cette émission sur notre site internet francetv.fr, à venir me parler, évidemment, sur les réseaux sociaux. J'adore. C'est bon, continuez. Et puis, surtout, à consulter ces bonnes adresses sur Paname La Carte, sur le site paname.paris. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Les cochis. Ah ouais, les cochis. Alors je pose ce bol-là parce que les cochis, c'est les cochis. Ah là, c'est bon. Tu veux pas rentrer chez toi?